Conçu par le général de Gaulle dans l'optique principale de garantir les intérêts de la France et de ses citoyens, les conséquences de la France-Afrique, visibles par tous, témoignent et surtout démontrent la théorie du complot aisément audit contre l'Afrique francophone. Sur le plan politique, économique, social et environnemental, les preuves parlant d'elles-mêmes font la parfaite illustration de l'égoïsme de Charles de Gaulle et de ses descendants qui, jusqu'en ce 21e siècle, auraient développé une nouvelle forme d'esclavage pouvant leur permettre d'assujettir indéfiniment leurs colonies alors que les anglophones, eux, choisissaient d'affranchir les leurs il y a des lustres. Déterminés, tels des prédateurs, les Françafricains, par le canal de leurs laquais, absorbent sans le moindre remords le potentiel des ressources naturelles des dites colonies, et ce qui occasionne visiblement et gravement l'appauvrissement de ces colonies qui ne savent presque plus à quel sens se vouer. Le système présidentialiste, calqué au mode gaulois, serait la cause ultime de ce crime de lèse-majesté ourdi contre les peuples d'Afrique francophone. Le tout couronné par la corruption et le génocide intellectuel qui confirme la perpétuation de cette organisation mafieuse. En tout cas, unis dans la concorde et la fraternité, et surtout avec cette prise de conscience collective, le Gabon s'éveillera, suivant une nouvelle aurore, encouragé par une ardeur nouvelle qui, sans nul doute pleine de vibrations, soulèvera ses peuples vers la félicité.